Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la leçon sur le futur. Donc je te rappelle, le futur c'est un temps en conjugaison qui nous permet de dire ce qui va se passer plus tard, demain, la semaine prochaine par exemple, ce qui va se passer après. Donc pour les exercices d'aujourd'hui, tu as besoin du texte Vivre en 2050, normalement je te l'ai donné hier, et tu as besoin également de ce tableau avec les verbes être, avoir, changer, afficher, porter. Alors, nous avions déjà travaillé avec ce genre de tableau, nous avons déjà fait ce genre d'exercice. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de remplir les pronoms personnels pour voir si tu les connais bien par cœur. Alors, tu peux déjà mettre pause à la vidéo et tu peux remplir les pronoms personnels tout seul. Alors, correction, voici les pronoms personnels. Je, tu, il, elle. J'aurais pu rajouter on. Nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Alors, peut-être que tu l'as déjà deviné. Ce que l'on va faire, c'est rechercher dans ce texte les différents verbes pour voir comment ils se conjuguent au futur. Alors, pour commencer, dans le texte, tu vas essayer de repérer le verbe être conjugué au futur. Alors, essaye de chercher. Tu peux mettre pause le temps de le faire. Voilà la correction. Il y avait la conjugaison sera, le miroir de la salle de bain sera transformé. Il y avait je serai, tu ne seras pas et vous serez. Alors, tu peux mettre pause et compléter le tableau grâce à ces verbes conjugués. Voilà la correction. Je serai, tu seras, il, elle sera. D'ailleurs, ce n'était pas écrit directement il ou elle sera, c'était le miroir de la salle de bain sera. On peut le remplacer par il. Et vous serez. Alors, tu vois bien, le verbe être se conjugue comme ça. Je serai, tu seras, etc. Il y a toujours la base SER et après la terminaison. Retiens bien cela pour la suite. Même chose dans le texte, repère le verbe avoir conjugué au futur. Tu peux mettre pause le temps de chercher. Voilà la correction. Il est présent trois fois. Nous aurons, j'aurai, tu auras. Maintenant, tu peux mettre pause le temps de remplir le tableau. Voici ce que ça donne. J'aurai. Alors là, regarde, il faut mettre J apostrophe parce que la première lettre du verbe conjugué est une voyelle. Donc j'aurai, tu auras, nous aurons. Maintenant, fais la même chose pour le verbe changer. Mets pause le temps de le faire. Voilà la correction. Il est présent deux fois. Changeront, changera. Tu peux remplir le tableau maintenant. Voilà ce que ça donne. Il, elle changera. Ils, elles changeront. Alors regarde ce qu'on peut observer déjà, c'est que dans changera, changeront, on retrouve complètement le mot changer. Alors, retiens bien ça aussi, c'est important. Même chose pour le verbe afficher, mais pose le temps de le retrouver dans le texte. Il est présent deux fois. Nous afficherons. Ce miroir affichera. Maintenant, remplis le tableau. Voilà ce que ça donne. Il, elle affichera. Nous afficherons. Pareil que pour changer, regarde. Affichera, afficheront. On retrouve complètement le verbe afficher, le mot afficher dedans. Et la dernière chose, le verbe porter maintenant. Trouve le verbe porter dans le texte. Mais pose le temps de le faire.
Vous porterez, il n'est présent qu'une seule fois. Et maintenant, complète le tableau. Vous porterez. Maintenant que tu as le tableau en partie rempli, tu vas pouvoir t'aider. Des verbes qui sont déjà conjugués un peu. Rappelle-toi de tout ce que j'ai dit. Le verbe être, ça reste toujours SER, par exemple serait, sera. Réfléchis bien pour la suite. Avoir, OR, AUR, AUR, aussi ici, nous aurons. Et changer, afficher, porter, je te rappelle que le mot est complet à chaque fois. Tu peux t'aider aussi des terminaisons. Regarde, les terminaisons sont toujours les mêmes selon le pronom personnel. Je, tu, c'est toujours la même chose. Il, elle, toujours la même chose. Nous, vous et il, elle. Alors, complète le reste du tableau. Mets pause, je te fais confiance. Fais-le sans regarder la suite. C'est parti. Alors, voilà la correction. Pour le verbe être, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Ça, c'est le verbe être conjugué au futur. Pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Les deux verbes-là, il faut les connaître par cœur parce que tu vois, le radical, c'est-à-dire le début du verbe conjugué, change. Pour les verbes changer, afficher, porter, il faut juste rajouter la terminaison. Je donne l'exemple pour changer. Je changerai, tu changeras, il, elle changera, nous changerons, vous changerez, ils ou elles changeront. Il y a juste les terminaisons à rajouter. Alors j'espère que tu as bien retenu tout ça. La fois prochaine, on continuera de travailler sur le futur et on verra la leçon. Et on révisera bien toutes les terminaisons. J'espère que tu as bien compris. À bientôt.